Buongiorno a tutti. Voilà, nous sommes en Sardaigne, donc en Italie. Donc évidemment, on avait fait la vidéo de on mange McDo en Espagne. Donc aujourd'hui, on va faire la vidéo de on mange McDo en Italie. Voilà, on va goûter un petit peu leur spécialité et voir ce qu'ils nous proposent de bon. Et tu prends quoi? Je pense que j'ai goûté le pesto rosso, moi. Après, le méditerranéo, il a l'air pas mal aussi. Ouais. Ouais, le méditerranéo. Trop bien, dans les menus, on peut choisir les sauces. Bon, c'est 25 centimes, mais j'ai envie de goûter gros douce. Prendre un cone glacé. Ouais, en Italie, quand même. Non, il n'y en a pas en France. Par contre, le McDo, il pète sa mère. Avec tout ce qu'on a pris, on en a eu pour 26 balles, ça. Tout ce qu'on a. Je suis trop contente, il y a plein de trucs qu'on n'a pas en France, on va pouvoir goûter un paquet de trucs. C'est arrivé super vite et ils en sont restés aux pailles. On en parle, même la maillot, elle est dans un pot comme ça. On en parle des glaçons. Wow, est-ce qu'on peut parler des glaçons? Des icebergs. Énorme. Et moi, j'ai pris la sauce aigre douce. Alors, je sais pas si ça correspond à la sauce chinoise qu'on a en France. Ça m'a l'air d'être la même texture. Par contre, la mayo, c'est de la vraie mayo, c'est pas la sauce pomme de terre bizarre. Ouais. Elle est trop bonne. Je pense pas que tu vas aimer, mais moi j'adore trop bonne. Les frites, c'est foncièrement les mêmes. Ouais, les frites, pareil. J'aime beaucoup. Ah ouais? Ouais. Je pensais pas, tu vois. Mmh. J'aime beaucoup, ouais. Par contre, ils sont pas autant généreux sur les serviettes qu'en France, hein. Ça, c'est clair. Ouais. Du coup, on a le petit truc de parmesan. Les trucs tomate mozza, le Big Mac, le pain de riz. Il est monté, je sais pas comment. Ils ont dû te rajouter de la salade à côté, tu sais. Ça, c'est le pesto rosso, je crois. Et ça, c'est le chunk de la mozza, c'est ça? Ouais. Trop bon. Il y a une sauce rose. Oh, trop bizarre. Je vais goûter, je vous dirai. Petit chausson. C'est bon. Ça a tout filé. Il y a un bon goût de mozza quand même. Il y a un bon goût de mozza quand même. Ça fait vraiment des petits points. Deux petits cubes de parmesan. Tranquille. C'est du parmesan. Il est bon. Il est gavé bon. Il est bon. Et encore que je pense que ça reste du parmesan McDo. Hein. Mais tu prends du parmesan dans un vrai resto, genre c'est incroyable. Alors je sais pas comment tu vas faire pour manger ton Big Mac, mais bon appétit. Merci, leur pain est très grillé. Vas-y, on te regarde. La sauce, elle est trop bonne. Bien crispy. Il y a du bacon dedans aussi. Alors celui-là, ah oui, c'est celui qui a la sauce chelou. Ouais, et il y a de la, c'est quoi, c'est de la mozza? C'est vraiment un goût bizarre. Je crois que c'est une tranche de mozza, ouais. Mais la sauce, elle a un goût bizarre. Elle a un goût que je connais. Impossible de savoir vite. Trop bizarre. On connaît. C'est quoi? C'est de l'oignon, non? Ah, fais gaffe, ça coule. Alors, verdict? Incroyable. Ce goût, même, je le connais. J'avoue, c'est un goût qu'on connaît. Champignon. Champignon. C'est aux champignons. Et pour le dessert, un cono. C'est ça? Tu veux goûter? En fait, c'est un McFlurry dans un cornet. Quoi. Ah ouais? Bon, ouais. Si je me gêne. T'as mis trop de clim. Bon, mais voilà, McDo en Italie, c'est fait. Si j'ai un reproche à faire, c'est que sur ma glace, j'aurais bien aimé un petit topping. Parce ouais, que c'était juste un McFlurry sinon. Mais
Sinon, franchement, ce qu'ils proposent, franchement, la France, ils peuvent s'inspirer parce que le pesto rosso que j'ai goûté. Et puis, les poubelles, ils font le tri. Ouais. Plastique, carton, nourriture et le reste. Ouais, franchement, c'est hyper bien fait. Bref, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!